Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui s'intitule « Paul de Tarse a altéré la parole de Dieu, partie 2 ». Dans cette vidéo, nous allons voir comment Paul a complètement altéré la parole du prophète Habacuc et comment il a déformé le sens des paroles du prophète pour justifier sa doctrine laciste basée sur la foi seule sans les œuvres. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous verrez la vérité sur cet homme une fois de plus. Et j'espère que vous verrez aussi comment Paul déforme les mots et que lui-même altère la parole de Dieu et altère tout simplement les écritures bibliques. Bien, nous allons commencer cette vidéo. Alors, Paul déclare dans Romains chapitre 1, verset 17, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. » Mais aussi dans Galates chapitre 3, verset 11, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu, par la loi, cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors Paul a tout simplement repris juste une petite phrase du texte d'Habacuc, chapitre 2, verset 4, puisqu'il a gardé seulement le passage « Le juste vivra par sa foi », mais sans citer le reste. Je vais vous citer le texte dans son intégralité et vous allez voir que il y a une grande différence. Dans le texte d'Habacuc, chapitre 2, verset 4 à 5, il est écrit « Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille, il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort, il attire à lui toutes les nations. » Il assemble auprès de lui tous les peuples. Alors Paul déclare que le juste vivra par la foi, donc par la foi en général. Mais Habacuc dit que le juste vivra par sa foi, c'est-à-dire par sa fidélité et son obéissance personnelle à l'Éternel, et non avec la foi en général. Il y a une grande différence entre « par la foi » et « par sa foi ». Donc là, le prophète Habacuc a bien dit que le juste vivra par sa foi. Donc par sa foi personnelle, mais aussi par sa fidélité et aussi par son obéissance personnelle. Maintenant, tout va se jouer en hébreu. Je vais vous citer le passage du prophète Habacuc en hébreu. Et nous allons voir quel mot Habacuc a employé. Il est écrit en hébreu « Hine upela lo yashera nafsho bo vetsadik bemunato yirye ». Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les derniers mots du passage, c'est « vetsadik bemunato yirye ». Et le juste vivra par sa foi. Alors, là, nous voyons que le mot en hébreu employé par Habacuc pour désigner par sa foi est « bemunato ». « Bemunato » peut être traduit par « par sa foi ». Mais le mot « emuna », puisque dans « bemunato », vous avez le mot « emuna », est souvent traduit par « la foi ». Pourtant, le mot « emuna » ne signifie pas seulement la foi en général, mais le mot signifie aussi fidélité, loyauté, mais aussi fermeté. Et le mot emuna prend un autre sens. Le sens d'une obéissance personnelle, le sens d'une fidélité, d'être fidèle à l'Éternel en lui obéissant et en faisant sa volonté, d'être loyal et d'être ferme. Aussi, la doctrine de Paul basée sur la foi seule sans les œuvres est totalement fausse puisque dans Ézéchiel chapitre 18, versets 5 à 9, l'Éternel a dit que l'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui donne de son pain à celui qui a faim, qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui détourne sa main de l'iniquité, qui juge selon la vérité,
qui suit les lois et observe les commandements et ordonnances de l'Éternel en agissant avec fidélité, celui-là sera juste, il sera considéré comme un juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Donc le juste vivra par sa foi et par ses œuvres, tout simplement. Donc la foi seule de Paul de Tarse, basée sur la foi seule sans les œuvres, est totalement fausse, tout simplement. Maintenant, je vais vous citer quelques passages qui montrent que le mot émouna ne signifie pas seulement la foi. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 4, je vais vous lire le passage en hébreu. Atzur tamim paalo ki chol derachav mishpat el emuna vein avel tzadik veyachar. Là, en français, il est traduit par « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle. » Et là, vous avez El Emouna, Dieu fidèle, El Emouna, et sans iniquité. Il est juste et droit. En plus, là, vous avez le mot ses œuvres dans le passage. Ce qui est assez incroyable, c'est que Dieu est un Dieu fidèle, El Emouna. Vous avez vu El Emouna. El, c'est aussi un mot qu'on l'utilise pour désigner l'Éternel. Dieu, El. Voilà. Donc là, vous avez El Emouna, un Dieu fidèle. Pourtant, Emouna signifie foi. Donc, on voit bien que le mot Emouna ne signifie pas seulement la foi. Sinon, ça aurait dit c'est un Dieu de foi. Non. Là, c'est un Dieu fidèle. El Emouna. Et après, c'est écrit Ve'ein et sans avel et sans iniquité. Ensuite, dans 1 Samuel chapitre 26, verset 23, il est écrit Va Adonai Yashiv Laish et Tzidkato Ve'et Emunato. C'est traduit par l'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Vous avez vu Tsidkato, sa justice, Vet et Munato et sa fidélité. Là, vous avez le même mot qui est employé par le prophète Habakouk, que le prophète Habakouk a dit Vetsadik Bemunato Irie et Munato. Sa foi. Mais là, dans 1 Samuel chapitre 26, verset 23, c'est selon sa justice et sa fidélité. Là, encore une fois, on voit bien que le mot Emouna, en particulier Emounato, par sa foi, sa fidélité, ne sont pas la même chose. Tout simplement, on voit bien que le mot Emouna signifie plusieurs choses, et pas seulement la foi en général. Ensuite, dans 2 Chroniques chapitre 31 verset 15, il est écrit Ve'al Yado Eden ou Minyamin Ve'Yeshua Ushmayaou Amaryaou Ushranyaou Be'are Akoanim Be'emouna la tête la Rehem Be'marlekot Kagadol Kakatan. Dans les villes sacerdotales Eden, Minyamin, Yeshua. Vous avez vu comme quoi même le nom de Yeshua était connu à cette époque. Ensuite, c'est écrit Ushmayaou, Amaryaou, Ushranyaou était placé sous sa direction pour donner loyalement Bemouna les distributions à leurs frères grands et petits selon leur division. Donc là, le mot Bemouna signifie loyalement. C'est encore une fois, le mot Emouna ne signifie pas seulement la foi. Donc, le mot Be'emouna signifie donner loyalement. Ensuite, dans Psaume chapitre 36, verset 5, pardon, est écrit Adonai Be'ashamaim Rasdera Emunatra Ad
chez Rakim. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité emunatra, ta fidélité jusqu'aux nues. Vous avez vu ? Encore une fois, le mot emunatra, ta fidélité ne signifie pas seulement la foi. Sinon, si le mot emuna aurait signifié seulement la foi, le roi David aurait dit « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta foi jusqu'aux nues. » Mais là, non, puisque c'est ta fidélité jusqu'aux nues. C'est, vous voyez ? Ensuite, dans Proverbes chapitre 28, verset 20, « Ish emunot rav brachot veatz leashir lo yenake. » L'homme loyal, Ish emunot, est comblé de bénédictions, rav brachot, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Donc là, vous voyez, Ish Emunot, l'homme loyal. Si le mot Emuna aurait signifié seulement la foi, le roi Salomon aurait dit plutôt l'homme de foi est comblé de bénédictions. Mais là, non, puisque c'est l'homme loyal, la loyauté. Donc on voit bien que c'est complètement différent. L'homme loyal, celui qui est loyal, qui est fidèle, obéissant, est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Ensuite, dans le prophète Isaïe, chapitre 33, verset 6, c'est écrit « Vehaya emunat itera rosen yeshuot rachmat vedaat yirat adonai hi otsaro ». Donc, ça signifie « ta vie sera entourée de sécurité ». Et là, vous avez « emunat ». Ensuite, « sagesse et connaissance constituent un trésor de salut. La crainte de Dieu, « yirat Adonai », voilà sa richesse. Et là, vous avez tout simplement le mot « emunat ». Qui est ta vie sera entourée de sécurité. Là encore une fois, si le mot Emouna aurait signifié seulement la foi, ça aurait été écrit ta vie sera entourée de foi. Sagesse et connaissance constituent un trésor de salut. La crainte de Dieu, voilà sa richesse. Non, là c'est ta vie sera entourée de sécurité. Emunat. Donc c'est vraiment incroyable. Et enfin, un dernier exemple. Pour faire montrer que le mot Emouna ne signifie pas seulement la foi, dans Jérémie chapitre 9, verset 2, il est écrit Vayadrechu et leshonam kashtam sheker velo leemuna gaveru vaaretz ki mera el ra yatsaou veoti lo yadaou neum. Adonai. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la loyauté, les Mouna, qui sont puissants dans le pays. Vous avez vu ? Ce n'est pas par la loyauté, les Mouna, qui sont puissants dans le pays. Là, on voit encore une fois, c'est la loyauté et non la foi. Sinon, ça aurait été écrit, ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la foi qu'ils sont puissants dans le pays. Encore une fois, là, c'est la loyauté. Donc, nous voyons à travers tous ces passages, qui sont que des exemples, hein, puisqu'il y en a des millions encore, que la Emouna ne signifie pas seulement la foi en général, donc seulement une croyance, hein, mais plutôt la fidélité, la loyauté, la fermeté, l'obéissance. De toute façon, quand on a la foi, on a l'obéissance derrière. Si quelqu'un n'est pas obéissant, il n'a pas la foi, tout simplement. Par exemple, je vais vous citer un exemple. Par exemple, si quelqu'un veut faire une bonne action et qui se dit en lui-même, je crois fermement que si je fais une bonne action, je vais propager l'amour et la miséricorde. Là, vous avez les deux. Vous avez la foi, puisque vous croyez fermement. Vous avez
les œuvres, puisque faire une bonne œuvre, une bonne action, c'est faire une œuvre. Et vous avez l'obéissance et la fidélité envers l'Éternel, puisque l'Éternel ordonne de faire le bien, de faire de bonnes actions. Donc vous avez trois choses. Vous avez la foi, les œuvres et l'obéissance. La fidélité. Je crois fermement que si je fais une bonne action, eh bien, je vais propager l'amour et la miséricorde. Et quand vous faites la bonne action, la bonne œuvre, donc une œuvre, eh bien, vous propagez l'amour et la miséricorde. Eh bien, c'est ça. La foi véritable, c'est toujours accompagné d'œuvres et de fidélité, de loyauté. C'est pour ça que le mot émouna ne signifie pas seulement la foi, seulement une simple croyance, mais elle signifie aussi la loyauté, la fidélité, de faire le bien, l'obéissance. Voilà. Donc lorsque le passage d'Habacouc est considéré dans son contexte le plus complet et traduit plus précisément, il devient clair que ce que Dieu dit est la personne juste, quelqu'un qui est juste, donc qui pratique la justice, vivra, donc par opposition à mourir, par, littéralement à cause de, sa fidélité, loyauté, littéralement fermeté. Donc, la question est donc la fidélité, la loyauté, la fermeté, mais à quoi ? Eh bien, la réponse à une vie juste et respectueuse des lois, qui est la définition même d'une personne juste. Une personne qui sera considérée comme juste est une personne qui fait de bonnes actions, qui pratique la justice tout en ayant la foi. Donc il y a les œuvres et la foi en même temps. Une personne qui est obéissante, une personne qui est fidèle, loyale envers l'Éternel mais aussi envers les autres. Yeshua l'a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est exactement pareil. Voilà. Donc une personne qui sera juste sera une personne qui obéit à l'Éternel, à sa sainte volonté, comme Yeshua l'a dit à plusieurs reprises. Une paraphrase exacte de ce passage se lirait comme suit. La personne juste vivra si elle est ferme et fidèle à sa justice, et donc, on peut aussi dire à sa justice, à son obéissance et à sa foi. Tout simplement. Nulle part dans cette image, il n'y a l'idée qu'une personne injuste devienne juste uniquement par sa foi seulement, c'est-à-dire en croyant seulement. Non. Seulement, ce passage ne concerne pas seulement la foi, mais le contexte exige que nous comprenions que la personne juste qui pratique la justice est juste précisément parce qu'elle respecte la loi, elle accomplit la volonté de Dieu, de notre Créateur, que elle est loyale, qu'elle est fidèle, obéissante, et que cette personne fait le bien. Ce que Paul dit tout le contraire. Paul dit une personne est juste seulement si elle croit seulement. Et que lui-même il a dit, ce n'est pas selon l'effort de l'homme, mais selon la miséricorde de Dieu. Non, l'homme doit fournir des efforts. L'homme doit fournir des efforts. L'homme doit propager l'amour, la miséricorde, la justice. C'est ce que Yeshua il a reproché aux pharisiens. Il a dit, vous accomplissez une partie de la loi, qui est les dîmes, les offrandes, mais vous avez oublié la partie la plus essentielle de la loi, qui est l'amour, la miséricorde et la justice. D'ailleurs, Paul a dit que la justice ne s'obtient pas par la loi, mais Yeshua a dit le contraire. Yeshua il a dit que la loi, c'est l'amour, la miséricorde et la justice. Donc la justice s'obtient aussi par la loi. Ce que Yeshua a reproché aux pharisiens. Paul a prêché une doctrine laxiste basée sur une foi seule. Non, l'Éternel a une autre vision de la foi. La foi, c'est quelqu'un qui obéit, qui accomplit des choses, qui fait la volonté de notre Créateur, qui est obéissant, qui est fidèle, loyal, qui fait le bien, qu'il n'y a pas de ruse et de mensonge en lui. Pas comme Paul de Tars qui a usé de ruse, qui a pris des gens par ruse et il a utilisé du mensonge. Voilà. Non. Quelqu'un qui a la foi, automatiquement, elle doit faire des œuvres, de faire l'action. C'est du concret que l'Éternel veut. C'est quelqu'un qui... L'Éternel veut que quelqu'un soit dans l'action, qui ne reste pas planté là, qui ait seulement la foi et puis voilà. Non.
C'est pour cela que Jacques a dit que la foi agit avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Jacques chapitre 2, verset 22. La foi agit avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ce que Yeshua a dit aussi. Car une foi sans œuvre n'est pas une foi parfaite, elle sera donc morte. Jacques chapitre 2, verset 26. Yeshua, il a bien dit que de faire des bonnes actions, de faire le bien, d'être obéissant afin que notre joie soit parfaite. Tout simplement. Quant au texte d'Habacouc, il semble dénoncer les orgueilleux qui font le mal gratuitement, qui ne marchent pas droit, qui abandonnent la loi de Dieu et qui égarent les nations vers la perte, puisqu'au verset 8, il est écrit « Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera, car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. » Il semblerait aussi que ce passage peut faire référence aussi à Paul, qui le dénonce, que Paul a fait tant de massacres, lui qui a tué, qui a pillé des gens, des innocents, lui qui a fait du mal et qui a prêché une doctrine laciste basée sur la foi seule, en détournant complètement les paroles du prophète Habacouc, en abolissant la loi, en disant que nous ne serons pas justifiés par les œuvres, mais par la foi seule. Non, là il a complètement détourné et perverti les paroles de Paul. Il a complètement falsifié la parole de Dieu. D'ailleurs, les paroles d'Habacouc concernent aussi les impies orgueilleux qui font le mal gratuitement et qui viennent tout simplement détruire la loi de Dieu, détruire des pauvres innocents, tout simplement. Et on peut dire aussi que les paroles d'Habacouc, en tout cas, viennent détruire le mythe de Paul qui est dans Romains chapitre 4, verset 5, « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée justice. » Encore une fois, Paul a tout simplement perverti les paroles de l'Éternel en disant que Abraham a cru et sa foi lui est imputée à justice. Sauf que non. Abraham a cru, mais il a été obéissant. Il a obéi à la voix de l'Éternel. Il a obéi aux commandements, aux préceptes, ordonnances et lois de l'Éternel. L'Éternel, il a dit, Abraham, sacrifie-moi ton fils unique. Abraham, ce qu'il a fait, il a eu la foi et l'obéissance puisqu'il a voulu sacrifier son fils pour l'Éternel. Donc, il a été obéissant, fidèle, loyal. Ensuite, l'Éternel a envoyé son ange pour arrêter Abraham. Et comme l'Éternel l'a dit, puisque tu as obéi à ma voix, à mes commandements, à mes préceptes et à mes ordres, voici, je te multiplierai. Tu seras fécond, tu seras le père d'une multitude de nations. Et l'Éternel a donné la circoncision comme alliance parce que Abraham a été obéissant. Il a eu la foi et les œuvres. Il a été loyal. Il a été ferme dans ses actions, dans sa foi. Et que l'Éternel a donné le pays de Canaan à lui et à ses descendants pour l'éternité, pour toujours. Donc on voit encore une fois, on voit que Abraham fut obéissant, non seulement sa foi, mais aussi ses œuvres ont été imputées à justice, et non seulement sa foi. Donc, le prophète Habacouc vient détruire le mythe de Paul, que celui qui ne fait point d'œuvre, pourtant Paul dit de faire un maximum de bonnes œuvres, mais ensuite il dit que nous ne serons pas justifiés par les œuvres, mais par la foi seule. Mais que celui qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Il est tout à fait normal que les paroles d'Habacouc s'adressent aux méchants, comme étant des personnes enflées d'orgueil qui n'ont pas l'âme droite et ne marchent pas selon la vérité et la justice. Paul a reproché à Pierre de ne pas marcher droit selon l'évangile, mais Paul était une personne enflée d'orgueil qui n'avait pas l'âme droite et qui ne marchait pas selon la vérité et la justice. Et donc ceux qui n'ont pas l'âme droite, ne marchent pas selon la vérité et la justice, qui sont enflés d'orgueil, ne seront pas justifiés par le Seigneur. Donc Habacouc vient détruire le mythe de Paul. Paul a tout simplement perverti et détourné les paroles de l'Éternel, mais aussi les paroles du prophète Habacouc.
tout simplement. D'ailleurs, si on revient dans Habacuc chapitre 2, versets 4 à 5, on voit clairement que Habacuc dit « L'orgueilleux ne demeure pas tranquille, il élargit sa bouche comme les séjours des morts, il est insatiable comme la mort, il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. » Bizarrement, Paul a créé la grande église des nations, l'église païenne des nations, la grande église hein, à Antioche, en Turquie, et il a ramené tous les peuples vers lui pour que tous les peuples croient en sa doctrine mensongère. Paul a prêché une doctrine anarchique, absurde, basée sur la dissolution de la loi, sur la foi seule, basée sur la foi seule, sans les œuvres, sans de bonnes actions ou quoi que ce soit, sans les œuvres de la loi. En réalité, le prophète Habacuc peut aussi détruire la doctrine de Paul. Et le prophète Habacuc vient détruire la doctrine de Paul. Paul, il a cité le prophète Habacuc, mais en vrai, Paul s'est tout simplement fait démasquer lui-même. Alors, je tiens à finir cette vidéo avec un dernier passage. Dans Ézéchiel chapitre 14, verset 14 et 14, verset 20, l'Éternel avait dit que s'il y avait les âmes de Noé, Daniel et Job, eh bien, ils sauveraient leurs âmes par leur justice. Donc, c'est-à-dire que si l'Éternel juge une nation, mais que s'il y avait les âmes de Noé, Daniel et Job, ils se sauveraient eux-mêmes et ils sauveront leur âme par leur justice. Ce qui est assez incroyable, c'est que Paul a dit que nous serons tous justifiés par la foi seule, par la justice de la foi ou je ne sais quoi. Là, on voit bien que l'Éternel avait dit que les âmes de Noé, Daniel et Job sauveraient leurs âmes par leur justice. Leur justice, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est par leur obéissance, leur fidélité, leur loyauté, leur foi aussi, parce qu'ils avaient foi en l'Éternel, mais la foi est toujours accompagnée d'œuvres, d'obéissance, de fidélité ou quoi que ce soit. Là, le mot justice, ce sont des personnes qui ont pratiqué la justice. Et quand on pratique une justice, c'est souvent accompagné d'œuvres et de foi, et pas seulement la foi seule. Donc on voit bien que Paul a non seulement altéré la parole de Dieu, mais il a aussi tordu les Écritures pour son propre profit. C'est pour ça que Pierre a dit que Paul, les Écritures de Paul sont difficiles à comprendre et il tord lui-même les Écritures. Donc voilà, là on voit clairement que quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui pratique la justice avec la foi et les œuvres, et que cette personne vivra par sa justice. Donc comme Noé, Daniel et Job qui sauveront leur âme par leur justice et non par la foi seule. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous verrez la vérité sur Paul une fois de plus. Là, on voit clairement que Paul a tout simplement altéré la parole de Dieu et que Paul a tout simplement falsifié la parole de Dieu. L'Éternel a dit « Vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien » aux paroles de ce livre, comme il a dit dans la Torah. Paul a complètement altéré la parole de Dieu. Il a ajouté des choses, il a retranché des choses. Donc Paul est coupable envers Dieu. Vous devez avoir foi en Yeshua seul. Abandonnez Paul de Tarse et allez vers Yeshua. Pratiquez la justice, l'amour, la miséricorde, qui sont des éléments essentiels de la loi, comme Yeshua l'a dit, tout en ayant la foi et l'obéissance, la fidélité et la loyauté. Et vous serez considérés comme des personnes justes. Puisque celui ou celle qui pratique la justice, l'amour, la miséricorde, a accompli la loi. Puisque c'est aimer l'Éternel notre Dieu, avoir foi en lui, et d'aimer son prochain comme soi-même. Donc l'amour, la miséricorde, la justice sont toujours accompagnés d'œuvres et de foi, et non par la foi seule. Une personne qui sera juste sera une personne qui pratique la justice, l'amour, la miséricorde, tout en ayant la foi et en faisant des bonnes œuvres, tout simplement. Bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté.